Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Peut-être connaissez-vous cette nouvelle série sur Arte qui se passe près de chez nous, sur la Côte d'Opale. Alors, j'ai testé pour vous. J'ai pas compris grand-chose, mais j'ai testé. Évidemment, qui dit série du Nord, dit en 1, l'accent de Lebeau. À 2, du gris. Ah, beaucoup de gris. Le ciel, le sol, tout est gris. À 3, c'est fait exprès. Enfin, j'espère, hein. Mais des vraies tranches de consanguin. C'est simple, tout le village, c'est la même famille. Et puis à 4, ton personnage te le fait vachement à con. Puis ça y est, t'as une série de schnorr. Bon, en plus, un jeu d'acteur un peu douteux, hein. Et là, tu rajoutes l'histoire. Attention, même les Américains qui sont d'habitude forts pour inventer des trucs complètement loufoques, les Américains ont téléphoné, ils ont dit non, on n'y est pour rien, je vous assure, nous en voulez pas. C'est pas nous. Attention, 3, 2, 1, l'histoire. Les experts, c'est une histoire de meurtre. Les experts, Côte d'Opale, ça a dérivé. Alors, il y a des bonnes femmes qu'on retrouve mortes, hein, coupées à un morceau. Puis les morceaux, on les a affûtés dans le cul d'une vache. Alors, la police, pour récupérer les morceaux, bah, elle tronçonne le cul de la vache avec une tronçonneuse, puis ça éclabousse partout, quoi. Mais en fouillant, il y a vona le tchète dedans. Le tchète, elle est dans une bouse de vache, le beau un peu plus loin. On se n'a pouqué que le tchète, elle est dedans. Alors, ils vont faire une enquête. Ça va, je vous ai fait une belle immersion. Ça vous situe un peu le truc. Moi, c'est simple, j'en viens à aimer les ch'tis à Ibiza. Parce que les ch'tis chez les ch'tis, j'en peux plus. Là. Super image, une fois de plus pour chez nous, alors évidemment c'est de l'humour. Une chose se dégage de ça, c'est qu'on n'a pas tous le même humour. On sait pas apprendre au premier degré, hein. Faut le prendre bien plus loin, au moins au 15e degré. De toute façon, 15 degrés, y a pas plus dans le Nord, hein. Le problème, c'est qu'on peut se poser la question, c'est pas évident que ce soit complètement de l'humour. Alors c'est dérangeant, ou c'est des dérangés, on sait pas trop. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.